Ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors, tu croyais pas, hein? Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ouais, on est dans un monde parallèle. Quand est-ce qu'on va se réveiller? C'est impossible ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Hein? C'est ça que tu es en train de te dire. Mais moi, je te dis un truc. Réveille-toi parce que là, tes yeux, ils sont remplis de crottes de yeux déjà. Parce que là, c'est officiel. Lionel Messi, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, que tu le veuilles ou non. Tu vois ce que je veux dire? Léo Messi, il joue officiellement au Paris Saint-Germain. Tape partout où tu veux. Ça y est, il y a le petit logo avec écrit « Joueur du Paris Saint-Germain ». Lionel Messi, Léo Messi. À côté de lui, il va y avoir Mbappé, Neymar. Donc, ça va être maintenant l'attaque M&M's qui va alimenter le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? M&M's, c'est ce qu'on va vous distribuer. Vous allez dire « Ouais, c'est bon les M&M's, ouais, on va les manger nous, hein, ouais, ouais, ouais. » Mais quand vous allez les manger, vous allez oublier tout ce qui est en rapport avec le football. Hein. Vous croyez quoi? Lionel Messi, tu crois qu'il vient là au Paris Saint-Germain, c'est pour faire de la figuration, pour faire des photos, pour faire du mannequinat? T'es malade ou quoi? Parce que vous avez oublié. Lionel Messi, il était au chômage, nous. Nous, on est parti le chercher, il était au chômage, il faisait du tennis de table dans son jardin. On est venu le voir, on lui a dit, écoute, nous, on a un métier à te proposer, le football, est-ce que tu connais? Il a dit, ouais, je connais, c'est un truc que je faisais avec le FC Barcelone, mais eux, ils veulent plus que je fasse ce métier. Si vous voulez bien que je le fasse, moi, ça m'intéresse. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a rédigé un contrat. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a signé le contrat. Maintenant, vous l'avez vu tout à l'heure, comment il était content, là, à la fenêtre. Hein? Tu l'as vu, là, avec son petit t-shirt? Ici, c'est Paris. Quand il a fait coucou, on aurait dit Michael Jackson. D'ailleurs, là, j'ai réfléchi et on va lui acheter un petit gant en diamant. Parce que ce qu'il va faire sur les terrains de la Ligue 1, ça va être du grand n'importe quoi. Les joueurs, ils vont commencer à danser le moonwalk, à faire des pas de Billie Jean, à danser comme des morts vivants. Ils vont se croire dans le clip de Thriller de Michael Jackson. Ça va être du grand n'importe quoi ce qu'on va vous faire. Neymar qui a le ballon, qui la passe à Messi. Messi qui sort du stade avec le ballon. Le match qui continue. Messi qui monte sur un yacht. Les joueurs sont perdus. Oh là là, les joueurs qui se noient. Les joueurs qui se noient. Les joueurs qui essayent de monter sur la barque. Lionel Messi qui retourne dans le stade. Les stades, les cages sont vides. Et Messi qui marque. Voilà, c'est ce qui va se passer. Tout est légal dans ce qu'on va vous faire. Du jeu magnifique. Vous avez beau mettre la VAR. Même les arbitres, quand ils vont regarder la VAR, ils vont dire « Oh là là, regarde Lionel Messi, comment il se déplace, c'est vraiment beau. Regarde Mbappé qui part dans le dos du joueur de la Ligue 1, je ne connais même pas son nom, même si c'est marqué, j'arrive pas à le prononcer, c'est n'importe quoi. » Mais nous, ce qu'on va vous faire, hein, ça va être de l'immunisation internationale. Déjà là, il va y avoir le monde entier qui va regarder nos matchs. Hein, vous allez vous manger des petits ponts, tout le monde va voir. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez dire oh, c'est trop dur le foot, moi je suis pas venu pour faire ça. À la base moi je suis venu pour m'amuser. Maintenant on me fait jeu contre Messi, contre Neymar, contre Mbappé. Des joueurs qui vont trop vite, des joueurs qui dribblent trop bien, des joueurs qui font n'importe quoi. Nous qu'est-ce qu'on fait nous? Nous à la base le foot c'est on se fait des passes, on se fait des centres. Mais là c'est trop dur, c'est trop dur ce qu'on va vous faire. Donc déjà, tout ce que j'ai à dire à tous ceux qui veulent devenir des supporters du Paris Saint-Germain, c'est pas parce que le Messi est arrivé que nous, on accepte les convertisseurs, les trucs qui veulent se convertir là. Hein? Vous voulez vous convertir au Paris Saint-Germain? C'est trop tard. Hein? Moi, je vous dis, c'est trop tard. Vous voulez être supporter du Paris Saint-Germain? C'est fini. Fallait être supporter du Paris Saint-Germain quand on a failli descendre en Ligue 2 et que c'est Guingamp qui nous a sauvés ou je sais plus quelle équipe. Maintenant là, qu'on est au top du top, et que le monde entier s'arrache nos maillots, s'arrache nos matchs, vous voulez devenir des supporters du Paris Saint-Germain? Maintenant que Lionel Messi a enfilé le maillot, vous vous dites, ah en fait, le Paris Saint-Germain, c'est pas un club sans âme? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? On vous a pas dit que le Paris Saint-Germain, c'est un club chic? Hein? C'est pas ce qu'on vous a dit? Hein? Maintenant que Neymar, l'investigateur criminel de la remontada, a été acheté, vous avez commencé à douter. Maintenant que Lionel Messi est là, oh là là, vous savez que c'est pas fini et que ça va durer encore longtemps avec le Paris Saint-Germain. On va vous manger, vous boire.